Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Summer in Mara. Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Quoi, mon cadeau? J'ai amélioré le goût des glaces. Ouais, la glace. Mais pas de la glace ordinaire. Est-ce que tu aimes les oranges? Évidemment, il y en a plein sur mon île. Eh bien, tiens, c'est une glace à l'orange. Tu vas être la première à y goûter. Bam, tu es le plus grand des cuisines. A déjà ouvert sa buvette. Pourquoi est-ce que ça vous tracasse autant? Le cuisinier Kido prépare des plats que les autres Kido aiment, tandis que moi, alors je suis sûr que ce n'est pas si dramatique.
Je dois goûter sa nourriture pour découvrir ses secrets. Je vais vous apporter certains de ses D'accord, prends cet argent et sois discret. J'ai des pièces spéciaux de Taka, mais fais-les discrètement. Taka, j'aimerais acheter trois plats. Vous les avez très épicés ou pas? Il y avait des garnitures. Il le faut. Il te faut de la sauce? Je ne sais pas. Je veux de la sauce sucrée et tout le reste. C'est tout pour moi, je le jure. Les trois plats, je les apporte à personne. Il y a un temps que tu me plais. T'es prêt? Tu peux y aller payer à la caisse. Oui, d'accord. Enfin, il n'y a pas de temps à perdre. Pardon quoi, mais j'ai de la cuisine à faire. Bien. Viens quand tu voudras goûter à mes plats. Oh. Ah, pas lourd. Je les achète, j'ai pas compris. Ah! J'ai pris les plats de chez Taka, oui, je les ai achetés. C'est un goût bien particulier. C'est sucré, mais avec des touches d'amertume. Les textures sont douces, un peu gluantes. Je ne sais pas si j'y arriverai à refaire la même chose. Je pense que vous devrez rester fidèle à vous-même et préparer vos plats habituels. Par exemple, ces plats ne me conviennent pas du tout. Passe-moi de cuisiner. Tu pourrais livrer quelque chose de ma part, peut-être. Et qu'il ait à l'élite à passer commande. Et j'ai besoin de maillots restés ici pour soutenir les clients. D'accord? Montre-toi très respectueux avec lui, s'il te plaît. C'est mon meilleur client. Ne vous inquiète pas. Prends la nourriture, tu pourras garder la monnaie. Que veux-tu, petite? J'ai une commande du restaurant Dank à votre nom. Tout ce que M. Erwan prépare est délicieux, c'est bien vrai, mais ils ont dur. Si on ne reconnaît pas vraiment son talent, ce koalis, eh bien, c'est vrai que les Kwido sont très traditionnels en matière de nourriture. Mais je suis séduit par tous les efforts qu'il met dans son travail. Il essaie toujours de me faire plaisir. Il travaille dur. Et il ne sort jamais de son restaurant. Il a même une tente. Un jardin.
Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou non. On ressent son inquiétude dans ses plats. C'est pour ça qu'ils sont délicieux. C'est vraiment triste. Apporte-lui son argent. Il a vraiment adoré la nourriture, c'est vrai, tant mieux. Heureusement que les élites comme lui savent reconnaître mon talent. Et Erwan, vous allez bien? Oui, oui. Tout va bien. Et si je continue à faire des efforts, tout ira encore mieux. Erwan, je suis disponible si vous avez besoin d'aide. Quoi, je ne peux pas m'occuper de toi pour le moment, je peux pas rendre vos plans. D'accord, en tout cas, je serai bien à l'âge. Et peut-être j'ai besoin de ton aide. Quoi faire? Les couteaux de... se sent émoussé un peu plus à chaque consultation, mais Erwan ne s'en est pas rendu compte. Je pourrais rapporter du métal de bonne qualité pour qu'on puisse les aiguiser. Oui, je vais pouvoir y arriver. Merci. Oh non, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi? Est-ce que j'ai oublié comment couper une carotte? C'est ce que je disais. Merci de m'avoir rendu service, j'ai trop de choses à faire. Le métal pour aiguiser, ça fonctionnera. Oui, grâce à ça, on pourra aiguiser les couteaux pour deux bancs. Erwan est bien trop concentré sur son travail. Ne t'en fais pas, ça va aller. Le restaurant va faire un malheur. Mayo, Mayo, regarde, je suis parvenu à couper l'équilibre parfait entre l'huile et l'œuf. Réussite. Évidemment, tiens, quoi, goûte aussi. Bien, j'adore les œufs au plat. Pas de faim, je suis seul à bord. C'est la fille qui demande. Napo, je comprends. Et ça ne va pas. Elle dit qu'elle a faim. On vient de manger, ouais, mais elle voudrait quelque chose de particulier, une sorte de dessert que tu avais dans la main. D'accord, mais lequel ça pourrait être? Ah, je l'ai sans doute acheté à Taka. Mais Taka est un grand maître, qui a été surpassé par son élève, quoi. Va lui demander, petite.
Oh. Des Delus Mochi, est-ce que tu veux apprendre la recette? Il faudra du riz, de la farine et un peu de chocolat. Tu me les apportes, je te demanderai comment préparer les mochi. Oh. La farine. Farine, chocolat et du riz. Chocolat. Pour l'instant, tout est tranquille. Avant des pierres. Un petit peu du fil aussi. Thank you.
C'est les crevettes qu'il faut qu'on n'a pas. La peinture. Eh mais ne peins pas sur le tableau. Je laisse sans les règles de Yaya.
Comment cela as-tu pu arriver? Une station sont parfaite. C'était ça. J'ai l'impression qu'il y a quoi que ce soit ici. Avec le trou. Il a toujours été là. D'accord, on parle de la bleue.
Oh non, j'ai tellement peur. Je crois que Napo veut que je fasse quelque chose pour elle. Oui. Oui, non, d'accord. Elle dit qu'il y a surtourné le passage menant vers une grotte remplie. Je pourrais en profiter. Comment? Montagne. On va devoir construire une mine. Ça va sera difficile. Ah. Oui, c'est une très bonne idée. D'accord, allons lui demander de l'aide. Est-ce que vous savez comment construire une mine? Une mine, c'est potentiellement dangereux. Je comprends. Grâce à la mine, tu pourras extraire les minéraux. Les meilleurs minéraux bien plus rapidement, mais il se peut que les minéraux se tarissent, alors ne l'espoir pas trop. Et surtout, n'oublie pas de toujours remercier Mara. D'accord, j'ai compris. Et voilà le plan pour construire une mine. Merci. Quatre cordes. Ça va être compliqué quand on se fait de la corde.
Effectivement, il faut que j'explore un peu plus. Bon, c'était tout pour le live du jeu Mara Live, la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!